Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu gratuit du mois, les gars. Voilà, aujourd'hui on se fait le jeu gratuit du mois. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont l'abonnement PSN. Donc c'est l'abonnement qui est sur PS4, hein, bien évidemment. Tous les mois on a deux jeux gratos et là ce mois-ci ça tombe sur ce jeu-là. Donc Dirt Rally 2.0. Donc allez, on va commencer un peu voir ce qu'il en est de ce jeu, hein. On va tout simplement commencer à tout configurer et on va aller tout simplement le tester. Donc comme vous voyez, j'ai déjà mis prénom, nom de famille, France, apparence du pilote. Alors l'apparence du pilote, vous avez plusieurs choix de pilote, hein, voilà. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Bon, moi je vais rester sur le numéro 1, de toute façon on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Alors, numéro de pilote, je vais laisser 1, on confirme et on va voir tout ça. Bon, du coup, voilà le menu principal avec la petite GTI hyper stylée. Alors là, on a le garage, le staff. Alors, je vais cliquer vite fait sur épreuve, voir un peu tout ce qu'il nous propose. On va voir ça ensemble. Ici, tu trouveras diverses épreuves qui te permettront de remporter des récompenses si tu participes aux défis disponibles. Tu peux pratiquer la conduite dans ta discipline préférée. Essaie-en une autre si tu t'en sens capable. Allez, ça marche. Donc on voit qu'il y a la carrière de rallye, il y a la carrière de rallycross. Putain, ça c'est stylé. Alors défi quotidien encore, défi quotidien, défi hebdomadaire, ça change. Défi mensuel, ah ouais, en fait, il laisse pas les joueurs à l'abandon, quoi. Depuis le temps qu'il est sorti ce jeu, il y a encore des défis hebdomadaires et quotidiens, mensuels. Ouais, ça c'est cool, et il y en a en pagaille, j'ai envie de dire. Défi hebdomadaire là, ouais, ok, bon bah écoutez, défi mensuel d'IA. Franchement, ça c'est bien cool. Ça c'est bien cool, surtout que bon, c'est un jeu gratuit. Alors, après, on a le garage. On va aller visiter notre garage. Tu peux voir les véhicules que tu possèdes, faire un essai sur route, ou encore vendre et acheter les voitures disponibles pour toi. Ok. Donc, alors moi j'ai là l'Ancia et j'ai celle-là, la petite Opel là. Bon, ok, pour l'instant, j'ai que ça. Alors acheter des véhicules, on va regarder vite fait un peu tout ce qu'il nous propose. Alors la Mini, Lancia, la Golf, ok, ouais, BM, le vieux BM, oh putain, la Renault, oh putain, stylé, ouais, il y a du beau choix, putain, Ford RS, ok, la 208, donc il y a aussi des nouveaux modèles. Et regardez la Subaru, par contre, elle, c'est vraiment un vieux modèle. Lancia, Ford. Oh, ça c'est quoi? C'est la nouvelle Subaru celle-là. Oh, c'est stylé. 230 000. La Mitsubishi Lancer. Ouais, il y a quand même des trucs hyper hyper sympas et des nouveaux véhicules, hein, des trucs récents, la 208, la GTI. Bon, après, je vous avoue que Rally, je suis pas trop à la page, hein, je connais pas trop. Les gars, pour ceux qui me suivent de The Crew, ça vous dit quelque chose ou quoi? Alors après, ça ok, BM. Chevrolet en rallye, ouais. Mustang, Aston Martin, sans déconner, en rallye. La Clio, sympa. Oh, dis donc, on a des trucs sympathiques là aussi, hein. Alors ça, à mon avis, c'est toute la section un peu speedcross. Ouais, il y a quand même des chouettes véhicules, hein. Ah ouais, il y a des trucs vraiment sympas. Ok, donc là, j'ai tout fait. Là, j'ai tout fait, ça monte jusqu'à 300... 40 000, ouais, 350 000 là. Bon, bah, je pense que ça doit être 356 64 000. Je pense que ça, c'est la plus chère, 364 000. Après, je sais pas s'il y a moyen de débloquer. Je pense que là, tous les véhicules sont là. Hein. D'après ce que j'ai compris, tous les véhicules sont là. Ok, après, on a le staff. Alors, recruter et améliorer votre staff. Voyons voir. Tu peux recruter de nouveaux membres d'équipe ou former ton personnel existant. Ok. Ouais, donc là je vois qu'il y a une barre en dessous, donc à mon avis, ouais, il y a, comme il dit, hein, comme il vient de dire, il y a moyen de l'améliorer. Donc il y a des ingénieurs, ingénieurs chef, copilote. Après, en dessous, il y a encore des ingénieurs. Bon, ok, ça marche. Bon, ça ok. Alors on a le jeu libre, on a historique, personnalisé, créer un champion. Ah ouais, ok, donc pour créer un championnat, contre la montre, club, mode libre et le Rallycross Championships. Après, on a Colin McRae. Alors ça, pour l'instant, je pense que je peux pas le faire. Après, la boutique PlayStation Store. Donc ça, j'ai vu sur ce jeu, il y a énormément de DLC. Donc voilà, donc ça doit être ça. Après, options, bon bah ça, on connaît, hein, tous les paramètres de jeu, graphisme, audio, commande,
Ok, donc les gars, on va attaquer, voilà, par le commencement, j'ai envie de dire, et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, carrière de rallye, vous savez quoi les gars, dans cette vidéo, on va faire du rallye et du rallycross, comme ça on va tester un peu les deux. Allez, on va prendre ce véhicule, je pense que bah, de toute façon, je dois pas trop avoir le choix. Allez, ok, Nouvelle-Zélande, c'est parti. 6 km 6, Ocean Beach. Allez, ok. Heure de départ 13h51, stylé. Franchement, c'est stylé. Météo dégagée. Ok. Surface gravier. Donc ça risque de glisser un peu. Alors, bon, les graphismes. Moi, ouais, c'est pas vilain, hein, j'ai envie de dire. C'est pas un jeu qui date d'aujourd'hui, mais c'est pas vilain. Ouais, c'est même plutôt pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. Bon, puis j'ai surtout envie de dire, les gars, c'est gratuit, hein, donc on va pas se plaindre. Hein. Surtout ça. Et franchement, la voiture est hyper bien Départ faite. 6 à fond, 30 mètres. Si elle est pas corde de droite, 3 longs fermes. Dans gauche Lancia transversiale, long Italia. ferme. Bonne chance. Ok. Allez, la team, on est parti. Alors, maintenir le frein à main et on va tester ça. 5, 4, Oh, 3, le bruit est super 2, sympa. 1, go. Allez, go, c'est Si elle a parti. fond, 30 mètres. Si Et elle le est bruit pas est corde vraiment de bien, je droite, trouve. 3 longs Le bruit de la fermes. voiture est vraiment bien. Dans gauche transversiale, long ferme. 30 mètres. Droite, 3 longs fermes. Et 30 mètres. Et oui, ce genre de jeu, à mon Marqueur avis, d'épingle c'est gauche. vraiment le genre de Ouvre. jeu à jouer avec la manette qui a les palettes là. En cas après, j'essaierai. Ciel mieux. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Dans gauche 6, dans droite 2, long ferme. Pas corde. Ouvre. Dans gauche 5, corde. Allez, 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 allez. À Dans bloc. droite 3, long. Dans Ah, j'avais gauche pas fait gaffe, mais 5. sur la gauche, on a l'avancée du truc là, l'avancée de la course. Avec le leader de la catégorie Dans et du droite coup 6, notre long. emplacement à Ouvre nous. sur ciel. 30 mètres. Allez, on va essayer Gauche de le 4 rattraper long, celui-là. Il n'y a ferme pas moyen. 3. Dès que ce soit une première fois, on va voir ce Dans que ça va donner. droite 4 long, ouvre. Dans gauche Ouf, 4 ah ouais, il long, est parti en ouvre. cacahuète le truc. Dans droite 5 et 30 mètres épingle gauche. Oh là là, petite épingle là. Alors allez, où elle est là cette épingle? Faut pas aller Dans trop vite, épingle hein. droite. Allez, tourne! Ouvre, 30 mètres. Droite 4 long, Eh, ouvre sur franchement, ciel. elle a Dans du mal à gauche tourner, je 5 trouve. long, ouvre sur ciel. Dans soulage, droite 2 ferme. Allez, vite, on est pas loin du leader là. Dans gauche 1. Dans droite 2 ferme. 30 Les gars, mètres, c'est pas corde, vraiment sympa, je épingle trouve. gauche. Ah, on a une petite épingle là. Dans droite 4. Allez, à Attention, bloc. 30 mètres droite 2 long ferme. Alors, on a quoi comme vue? Ah, on a la vue comme ça, vue Dans capot. gauche 4 sur ciel Attendez, je long vais essayer de pas me botter ferme. quand même. Ouais, sympa ça. Dans droite 3 sur ciel On a long. la vue comme ça. Dans gauche 4. Reste à Et droite on sur a la ciel vue 30 volant. mètres. Entre Ah, barrière, vraiment, vraiment gauche 6 sympa ce sur jeu. ciel, dans Avec le droite 2 petit arceau et long, tout. ouvre. Ah, c'est sympa, hein. Franchement, c'est vraiment sympa, je trouve. Dans gauche 4. Hop. Oh là là là. Allez, vite. Et Ouais, moi, droite je vais me 3 remettre en vue long comme ça, dans hein, parce que épingle sinon, gauche. ça va être compliqué pour moi. Allez, 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 Gauche allez. 4, Le dans leader est droite pas 3 loin, long les gars. Hein. Depuis ferme. tout à l'heure, on se tient, hein, mais. Il est compliqué à rattraper celui-là. Hein. Dans gauche 2. Dans droite 6 ouvre, 50 mètres. C'est pas grave, c'est rien. Droite 3 long ferme, dans gauche 3. Allez, allez, à fond, à fond. Dans droite 3 long ferme. Dans gauche 6 sur ciel.
30 mètres, droite de ferme. Ah, franchement, il est sympa. Voilà. Franchement, il est sympa. Ouvre. Pour un vieux jeu, je trouve que c'est kiffant quand même. 6, dans droite 4. Allez, ferme. Tourne. Voilà. Dans gauche, je pense 5, que ouais, il y a quand même un ferme. Peu de d'entraînement à avoir avant. Dans gauche 4, pour bien gérer le truc. Et quoi. Droite 3 longs. Oh, il y a des moutons. Dans gauche 4, 11 secondes de pénalité, les gars. Donc là, j'ai pris une balle. Là, j'ai pris une grosse balle. Dans droite 3 longs fermes. J'ai fait le tonneau, les gars. J'ai tué la caisse. J'ai failli tuer des moutons aussi. Dans gauche 5, alors, je sais pas si vous avez vu, la voiture est déformée. Hein. Oh là 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 là. Le carnage. Dans droite 5, épingle gauche. Alors allez, une épingle. On va freiner. On va éviter de. Ah ouais, 5, c'est bizarre qu'elle fasse comme ça la voiture. Ferme. Dans gauche 6 sur ciel. Droite 6, allez, tourne, dans gauche tourne. De ferme. Oh là là. Bah, elle a quand même du mal à tourner la voiture. Hein. Dans droite de long, ouvre 30 mètres. Bon, le leader, je crois que c'est même pas la peine. Hein. Droite 3, je crois que je me concentrerai de la seconde place. Dans gauche 5, dans droite 3 long, ferme sur ciel. Ferme sur ciel. Dans gauche 1. Dans droite inferme, dans épingle gauche. Oh, on sort un peu, la voiture c'est morte. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah ouais, mais qu'est-ce que je fais là, sans déconner. Là. Dans droite de ferme, et ouvre long sur ciel 30 mètres. Allez, 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 je peux le faire. Dans droite 1, 30 mètres, gauche 6 sur ciel et 30 mètres, épingle gauche. Alors, je sais pas les dégâts, si après il faut. Genre, s'il faut dépenser des sous pour les réparations, dans je sais pas du tout. Dans droite 2, dans gauche 5, dans droite 3. Bah, je vous avoue, j'ai du mal pour passer les épingles pour l'instant. Stop. Parce que tout simplement, je ne sais pas. Quel est le frein là? C'est pas carré, c'est pas X, donc je sais pas. S'arrêter près du juge. Alors on va s'arrêter près du juge. Oh les stylé la petite cinématique là. Cette alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouais. Semblait rapide. Elle était assez chaude, ouais. D'ailleurs on envoie le résultat sur la voiture. Bon écoutez, deuxième pour un premier essai, c'est pas trop mal. Alors qui est-ce qu'il y a? Tac tac, ok, non, je connais pas. On continue. Allez, ok, donc on a testé vite fait la carrière de rallye. Maintenant, on va aller tester la carrière de rallycross. On va voir si c'est plus facile ou pas. Hein. Parce que pour l'instant, rallye, c'est quand même assez chaud, j'ai envie de dire. Hein. On va voir ça. Ok, Norvège. Allez, ça marche. 1 km. Midi. Ciel dégagé, impeccable. Alors, asphalte, terre et gravier. Allez, c'est bon pour moi. Oh, petit sponsor Monster. Allez, on passe. Qualification, les 20 participants s'affrontent. Par groupe de 5, ok. Allez. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas trop le choix. Alors, je veux bien tester déjà Non, on va commencer direct. Utilise le tour Joker à ton avantage. Tu n'as à le prendre qu'une fois, sinon tu recevras une pénalité de temps. Ok. Allez. Les monstres. Bonne course. Les monstres, les gars, les monstres. Boum. Désolé.
Allez. Bon, ça m'étonne qu'il ne m'ait pas rattrapé quand même là. C'est la grosse faute que je viens de faire. Ah, elles ont hyper du mal à tourner quand même les bagnoles. Hein. Allez, on va prendre le truc joker, je sais pas quoi. Allez, tourne. C'est bon. Ah. Laisse-moi passer, toi. Je pense que je vais arracher tout le côté de la bagnole. Je s'en fous, je suis passé. Ouais, le rallycross comme ça, c'est assez sympa, je trouve. Les gars, je crois que je viens de capter un truc. Pour prendre bien les virages, en fait, il suffit juste d'arrêter, d'accélérer. Et du coup, la voiture tourne toute seule. Parce que moi, je freinais, mais en fait, quand on freine... Ouais, en fait, c'est exactement ça, les gars. Ça y est, j'ai compris. Donc en cas après je vais refaire une petite course de rallye pour bien retester tout ça. Mais oui, on arrête d'accélérer, on lâche le frein, la voiture se met à tourner d'un coup. En fait c'est bizarre mais ouais, c'est exactement ça en fait. Ah ouais, c'est exactement ça les gars. On met le coup de frein, on lâche le frein, tac, la voiture tourne. Bon ok, j'ai compris. J'ai compris les gars, j'ai compris. Ouais, c'est sûr qu'une fois qu'on a compris ça, ça c'est beaucoup mieux quand même. Allez. Sympa là, c'est, je commence un peu à prendre l'habitude là. C'est assez kiffant les gars, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Yeah bébé. 0,5 de pénalité, pourquoi? Ok, bon écoutez, je suis premier, c'est essentiel. Par contre la pénalité, j'ai pas trop compris, bon c'est pas grave. Ok, continuez. Bon bah voilà, écoutez, j'ai fini pour cette vidéo vidéo test de ce petit jeu là, donc le petit Dirt Rally 2.0. Alors les gars, ma petite conclusion là par rapport à ce test en speed, hein, alors la carrière de rallye extrêmement compliquée, vraiment hein, vraiment compliquée je trouve. Surtout dans les virages en fait, la voiture elle a tendance à tirer droit et du coup on n'arrive pas à la rattraper. Ouais, on n'arrive pas à la rattraper, donc à chaque fois qu'on prend une bonne petite accélération, on prend bien de l'élan, tac, il arrive un virage, on met le coup de frein et la voiture elle tire droit et impossible de la rattraper. Donc après je pense que le problème ça vient de moi, hein. Je pense que j'ai tout simplement pas assez d'entraînement sur ce jeu. Hein. Voilà, je pense que après, voilà, ça fait, on va dire, une bonne demi-heure que je suis dessus, hein, facile. J'ai fait au moins 3-4 courses en rallye, mais bon, j'ai toujours le même problème, j'ai toujours la voiture qui tire droit. Après, pour ce qui est de la carrière de rallycross, là, c'est quand même nettement mieux. Voilà, là, c'est quand même nettement mieux, c'est bien plus gérable. Et du coup, on prend plus de kiff à conduire sur le rallycross, je trouve. Bien que le rallye, c'est kiffant aussi, mais comme on est frustré qu'il y a tout le temps la bagnole qui tire droit, et que je sais pas du tout comment faire pour éviter cela, donc voilà, donc à la fin, ça devient relou. Et c'est pour ça que je préfère quand même le rallycross. Maintenant, bon, voilà, maintenant j'ai fini pour ça. Après, c'est vrai que j'ai pas vu d'un point de vue du garage tout ça, j'ai pas vu ce qu'on pouvait faire. Acheter des véhicules, je sais pas si on peut les remonter, genre ça m'étonnerait. Dans une épreuve, non, là on peut que acheter des véhicules. Ok, donc bon, on peut que acheter des véhicules. Ah, par contre, on peut acheter du staff, et ça, je n'ai pas encore testé. 30 000,
Et comme vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas de thunes. Donc les gars, écoutez, c'est un bon jeu dans l'ensemble et c'est surtout qu'en fait, il est gratuit. Donc on va pas trop y cracher dessus. Après, je sais pas si je referai des vidéos dessus. Je vous dis honnêtement, c'était vraiment pour tester, vous donner un peu mon avis, qu'on voyait ça ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé ça cool? Est-ce que vous voulez voir d'autres vidéos dessus? Sachant que je ne suis pas le meilleur des pilotes, on est bien d'accord. Mis à part sur le Speedcross, hein, qui est pas trop mal, qui est assez sympa. Le Rallycross, moi je dis Speedcross à chaque fois, j'ai vraiment l'habitude de Need for Speed Payback de l'époque. Et de Heat d'ailleurs. Donc voilà, donc pourquoi pas faire des petites courses en Rallycross, ça me dérange pas, mais c'est vrai que Rally c'est quand même nettement plus compliqué pour moi. Voilà, allez, j'attends votre retour dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aurez bien rigolé, vous êtes bien foutu de ma gueule parmi mes nombreux crashs. Voilà, allez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi si, par rapport à cette vidéo, si ça vous a donné envie de tester ce jeu ou pas. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et bah écoutez les amis, je vous dis bon game à vous. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à lâcher un like, à vous abonner. Comme vous savez, le partenaire Instant Gaming pour acheter vos jeux jusqu'à 90% moins cher. Et du coup, vous pouvez acheter aussi vos cartes PSN et acheter des crédits pour acheter des jeux sur Play. Et donc ça, pareil sur Xbox, voilà. Et on a également le partenaire Burn Controller pour acheter les manettes avec les palettes. Tiens d'ailleurs, j'ai pas testé avec la manette palette, mais c'est vrai que elle n'est pas encore chargée. Ouais, il faudrait que je la recharge d'abord. Allez, sur ce, je vous dis bon game à vous et à plus les amis, à plus.